voilà, coup d'envoi dans la zone entre la zone 2 et zone 3. Là, t'as sur la défense qui monte très rapidement. Et avec la défense de Saint-Paul qui a l'habitude d'être très 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 agressive. Et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à garder le jeu un peu éloigné. Mais là, ils prennent une pénalité. Ils estiment que le plaqueur ne s'est pas sorti rapidement. Rapidement. Et un très beau coup de pied qui passe entre les poteaux. 3-0 donc pour le Rion Morsinx rugby. C'est Arnaud Lasserre qui tient ce ballon, qui tient debout, qui est protégé par sa seconde ligne. De nouveau un ballon qui est écarté mais qui revient, on revient toujours sur les avants avec peut-être vouloir fixer davantage cette équipe bleue qui ne se fait pas aspirer. Non, non, c'est ça, tout à fait. C'est bien ça Benoît, ils essayent de fixer au cœur de façon à pouvoir jouer ensuite. Voilà comme ils le font. Et là c'est... Eh bien c'est le numéro 14. Juste la Monteil qui, il me semble, qui a marqué. Non, c'est Cazad qui a marqué ce premier essai, le numéro 14 de Saint-Paul et Dax. Les deux équipes qui essayent de se chercher, il y a quelques fautes qui se font. Gatuin qui écarte avec donc Arnaud Lasserre. Arnaud Lasserre qui va au contact et qui passe le premier défenseur. Et l'arbitre estime que le joueur a tourné donc sur le pré. Il se lance. Il était bien au milieu, on avait l'impression qu'il allait poser le ballon avec son pied entre les poteaux. Lasserre qui donne en dos encore à Florian Lajournade, à Paul Cazade. Paul Cazade qui reprend l'intérieur, attention, encore une maladresse des Saint-Paulois. Et ça enchaîne, ça écarte avec Théo Toulouse. Théo Toulouse qui a son ailier, à qui sert son ailier Anjalbar Marksansk qui déborde et qui marque. Ce qui leur permet de mener actuellement sur le score de 11-7. Et c'est bon, les joueurs qui peuvent entrer donc dans ce mall. Avec du moment qu'il n'y a pas de contact, il y a un joueur rose qui aurait pu rentrer du côté de cette équipe. On l'a vu hier sur Perpignan. Il n'y aurait pas eu faute là maintenant, mais la faute elle y est. Romain Tournier à la manœuvre. Rion Morsinx Club Rugby mène sur sa pelouse sur le score de 14-7. Et les deux équipes qui regagnent les vestiaires avec quand même un match assez équilibré, Jean-Pierre, même si une équipe a su se nourrir un peu plus des fautes de l'autre. Ce ballon qui est écarté un peu avec, voilà la différence entre tout à l'heure et cette équipe, donc c'est un ballon qui est porté, la défense qui se fait transpercer et c'est de nouveau un essai qui est marqué par cette équipe d'Orient Morsinx. Et donc il ne passe pas, donc on va rester à 19-7 à la 50e minute. Le ballon qui va être écarté, attention les avants qui vont à la percussion, qui vont créer un groupement, non. Le ballon de nouveau qui est écarté, la défense doit veiller. C'est Florian Lajournade qui fait tomber le joueur. Le ballon est récupéré de nouveau par cette équipe de Rion Morsinx qui est en grosse forme. Théo Toulouse qui est toujours en possession du ballon, qui joue avec ses centres. Le numéro 12 avec de nouveau une c'est percussion. Burs. Qui est le ballon qui est arraché par un joueur par la défense. Le numéro 6 de Saint-Paul et Dax qui fait cette faute à Paris. Avec 3 points de plus pour cette équipe de Rion Morsinx. Le ballon, c'est un ballon porté, il ne pourra pas être écroulé. Le ballon est au sol de nouveau. Que dit l'arbitre? Il faut le jouer. Il faut le jouer. Que le ballon soit joué. Et ça va rejouer petit côté avec l'essai de Dimitri Gay, le numéro 16. Transformation réussie, donc 29 pour cette équipe de Rion Morsinx. Nous on est là pour le rugby et on se régale parce qu'on a vu quand même les équipes jouer, de belles équipes avec une pénalité qui va avoir lieu. Toujours ce mall qui rentre avec cette équipe de Rion Morsinx qui est acharnée. Et c'est un essai donc qui va sceller un peu de vitesse. 36-7. L'arbitre qui siffle la fin de cette partie, donc je vous rappelle le score, donc Rion Morsinx Club Rugby 36, Saint-Paul et Dax 7, Saint-Paul et Dax, mais qui a fait illusion en début de partie, et ensuite qui a fait trop d'erreurs pour pouvoir amener le jeu dans le camp de cette équipe de Rion Morsinx, Rion Morsinx qui était bien en place, et qui a profité de toutes les largesses de cette équipe Saint-Paul et Dax, pour mettre un peu de vitesse dans le jeu et aller porter le jeu de l'autre côté. Donc félicitations à cette équipe de Rion Morsinx qui a fait une très belle partie. Bonne semaine à vous tous et à très bientôt.